tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo un peu particulière. Voici la suite de ma vidéo lors de ma sortie au salon de la magie et du spiritisme, où j'ai fait une belle rencontre sur mon chemin ce jour-là, en faisant la connaissance de Lilou qui tenait son stand. Tout en discutant avec elle, elle nous a précisé qu'elle tenait également une boutique sur Armentières. Elle nous a donc remis sa carte avec le nom de sa boutique ainsi que l'adresse. Nous lui avons promis qu'on passerait la voir. Chose promise, chose due. La première fois que je me suis déplacée à sa boutique, elle n'était pas là. Mais à la place, j'ai pu faire la connaissance de sa maman Stéphanie. On a été reçus avec beaucoup de gentillesse et de bienveillance. Stéphanie est très joviale et à l'écoute. C'est ce que j'apprécie le plus chez les gens. Et tout en discutant avec Stéphanie, elle a vu que j'avais un blocage au niveau du plexus solaire. Certains blocages peuvent apparaître suite à de diverses situations dans nos vies. Et Stéphanie a mis le point dessus. De là, elle m'a dit qu'elle pratiquait ainsi que sa fille des soins énergétiques et je me suis dit, ok, pourquoi pas. Vu que je voulais le faire impérativement avec Lilou, sa maman lui a donc envoyé un SMS et le soir même, Lilou m'a contacté pour convenir à un rendez-vous. La semaine passe et on arrive au rendez-vous. Et comme j'arrive en avance, en attendant que ce soit mon tour, je discute un peu avec Stéphanie. Mon tour arrive et le soin commence. À peine commencé, Lilou a pu apercevoir que j'avais deux carapaces noires dans mon énergie que j'ai créées de manière inconsciente, sans doute pour me protéger. Lilou m'a expliqué en quelque sorte, pour que vous compreniez bien, que ces énergies que nous pouvons accumuler et qui n'ont plus lieu d'être présentes en nous et autour de nous, peuvent être lourdes à porter et nous empêchent d'être nous-mêmes. Par exemple, dû à nos soucis et problèmes de la vie, par des situations que l'on a vécues tout au long de notre chemin. Les blocages énergétiques sont courants chez toutes les personnes. Nous en avons tous et du coup, nos énergies se retrouvent bloquées sous forme de nœuds énergétiques. Elle m'a précisé aussi que j'étais une éponge émotionnelle. C'est vrai que je suis très sensible aux problèmes des autres. Et lorsque j'assiste à une séquence émouvante à la télévision ou même dans la vie réelle, les larmes me montent aux yeux irrémédiablement. J'étais très surprise, car je ne m'en suis jamais rendu compte que c'était un signe d'empathie. Donc j'ai fait des recherches, et d'après une étude menée par le chercheur Paul Jack, c'est un Américain, cela se prouve scientifiquement. Les scènes émouvantes des films entraînent un pic d'oxytocine, dans le sang. C'est le signe biologique de l'empathie. Verser quelques larmes devant un film ou une série serait la preuve d'une grande empathie et d'une réelle force mentale. Avoir la larme facile n'est ni pathétique ni un signe de faiblesse, mais c'est la preuve d'une sacrée force de caractère et d'une bonne compréhension de l'autre. Ensuite, j'ai eu droit au massage sonore au bol tibétain. Je me suis sentie de plus en plus détendue. Je me suis retrouvée dans un état de paix intérieure, de lâcher prise. Et tout en continuant, le soin, Lilou a pu voir quelques-unes de mes vues antérieures. Elle a précisé également que j'étais une vieille âme. Comment savoir si on est une vieille âme? Premièrement, vous avez souvent besoin d'être seul. En tant que vieille âme, vous avez une sensibilité plus élevée que les autres. Vous êtes plus à l'écoute du monde qui vous entoure et vous ressentez facilement les émotions des autres. C'est pourquoi vous avez régulièrement besoin de vous ressourcer et de vous retrouver seul avec vous-même. Deuxièmement, vous sentez une connexion profonde avec ce qui vous entoure. Une vieille âme ressent une profonde connexion avec Dieu, l'univers, le monde divin, mais également avec la nature et tous les individus qui croisent leur chemin. Et troisièmement, vous désirez faire le bien, aussi bien à l'échelle individuelle qu'à l'échelle de l'univers. Vous exprimez le désir de faire le bien autour de vous, dans chacune de vos actions. Votre entourage dira souvent de vous que vous agissez toujours en suivant vos valeurs, que vous êtes généreux et toujours prêt à aider dans les moments difficiles. Ces quatre critères que je viens de vous mentionner me ressemblent tout à fait. Donc sur ça, je n'ai aucun doute, je suis bien une vieille âme. Par contre, j'ai été très stupéfaite car je n'aurais jamais imaginé qu'en allant faire un soin énergétique, on m'aurait mentionné quel était mon animal totem qui m'accompagne dans mon évolution. J'ai toujours été attirée par le corbeau et le loup. Allez, je vous laisse deviner quel c'est. Le corbeau ou le loup? Eh bien, c'est le loup.
Le pouvoir de loup fait référence à l'instinct, à l'intelligence, le symbole de liberté et l'importance des liens sociaux, mais également un sentiment de menace, le manque de confiance en quelqu'un ou en vous-même. C'était super d'apprendre que mon animal totem était le loup. C'était pour moi une belle surprise. Je viens de penser à quelque chose. Vous vous rappelez certainement dans l'une de mes vidéos de mes expériences paranormales que j'ai intitulée « Les voix entendues » où je vous parle que ma fille et moi nous avons entendu un hurlement d'un loup qui venait de couloir en pleine journée. Est-ce possible que c'est mon animal totem qui s'est manifesté ce jour-là? Car je sais très bien que notre animal totem peut aussi nous apparaître sous forme physique. Donc je me suis dit pourquoi pas. À savoir. Dans tous les cas, un grand merci à toi Lilou pour ce premier soin énergétique qui m'a fait un grand bien fou. Je me suis sentie comme apaisée, légère et pour les prédictions que tu m'as dit, à voir au fil du temps. Ça m'a fait prendre conscience de certaines choses que moi-même n'avais pas pris connaissance. Je remercie l'univers de m'avoir mis sur votre chemin. Il y a encore du travail à faire, c'est pour cette raison que j'y retourne le mois prochain pour un dernier soin énergétique. Si vous passez près d'Armentières, je vous invite à aller découvrir leur boutique. Lilou et Stéphanie, elles vous y accueillent de 9h30 à 18h30, du mardi au samedi. La caverne aux cristaux est toute récente. Elle a ouvert ses portes le mois d'avril. Comme son nom l'indique, c'est une boutique de minéraux, mais aussi de runes, d'encens, de speljars. Ils ont quelques oracles. Elles font aussi du développement personnel par les soins énergétiques et bien d'autres choses. Et ce jour-là, je me suis acheté le livre de Cal Gray, « Les ailes du pardon », qui est aussi l'auteur des oracles, « Les gardiens de la lumière et les esprits protecteurs ». Je me suis prise aussi un bracelet en cristal de roche, une pierre obsidienne dalmatien, plus une obsidienne dorée. Je me suis pris également de l'encens, donc ici c'est l'encens naturel Agua Sagrados, qui signifie eau sacrée, l'équivalent de l'eau de Floride. Qui est un support incontournable dans une démarche de nettoyage, de purification de l'âme et du corps et de l'esprit. Il vous aidera lors de vos intentions de soins et de guérison au quotidien. Et c'est un encens très doux et agréable pour l'avoir testé. Je me suis pris également Angène Protection. Donc tous deux valent 3 euros. Je me suis pris de la sauce au sang de dragon en fagot. Donc je vais vous rappeler l'adresse. N'hésitez pas à visiter cette petite boutique de minéraux qui se trouve à Armentières. C'est la caverne des cristaux, 55 rue de Lille, le code postal 59280. Je vous laisse découvrir la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.